sais rien si j'ai de la batterie dans tous mes boîtiers. Juste un truc à faire. お待たせいたしました。まもなく発車いたします。Operation will resume shortly. Thank you for your patience. Un peu de fermer sa bouche de temps en temps. Ouais. On est dans le train, quoi. Là, c'est en mode calme. De toute façon, je pense que je vais cut le live dans le train, les gens. Ah, moi, si vous voulez rester, on peut rester en live. C'est vous qui choisissez, dites-moi. The next stop is Shinjuku Sanchome, F13. Please change here for the Marunouchi line and the Toei Shinjuku line. Cut, rest. C'est toi le patron. Ah, je sais, t'inquiète, stay. Ah, je vais rester un petit peu, ouais. Pour me faire plaisir. Allez. Si on gagne des subs, je reste jusqu'à ce qu'on arrive chez moi, et si on gagne vraiment beaucoup de subs, ou une donate, ou n'importe quoi, et ben, on se pose même au combiné à arriver chez moi ensemble, si vous voulez. Où vas-tu? Je rentre à la maison, Yohoi. On aime voir ta tête des barbes. Merci. Grave, les viewers de nous. Arriving at Shinjuku Sanchome, F13. Dans le sac. Le sac qui pèse 200 kilos maintenant. J'arrive pour la même. Ça va, Paris Gaulle. L'air est pollué? Non, pas du tout. L'air n'est pas pollué du tout.
C'est juste des gens qui font des allergies ou qui sont malades ou qui veulent pas montrer leur tête. Et Japon, c'est juste que c'est 95% de pollution en moins que la France, hein, dans l'air. Mettez-vous ça dans la tête. Salut Pokit. Petit chancy. Un petit chancy du soir. Chancy du soir, bonsoir. Mais les gens, en fait, vous avez tout le temps la même remarque. 99% des gens sur le téléphone. Parce qu'en France, on lit des livres dans le train, peut-être. Franchement, c'est... Je sais pas, en fait, c'est ouf, quand même, ce sens de l'observation. C'est beau, hein. À tout moment, Roxy, elle arrive. Elle tape son plus beau catch inside. Elle va m'éclater la tête par terre, Roxy. C'est la même chose, les gens ils lisent les news, c'est fini. Le téléphone c'est devenu un média à part. Avant c'était les journaux, maintenant c'est le téléphone. Elle fait pas chier la merde. Mais ouais Pokit. Non mais je En fait c'est pas toi en particulier, mais c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui vient sur le live, qui est jamais venu et que je suis dans le train, c'est constamment ça en fait. Oh, ils sont tous sur le téléphone. Bah ouais, mais en France on est pareil. Désolé, je savais pas qu'on faisait souvent. Ça va bébé? Ça va Eric? J'ai vu que t'avais fait un multi-live. C'est pas mal ça. Ah, je suis endormi gros, de ouf. Je suis rincé. Le patron est là. Tout le monde dit bonsoir au patron s'il vous plaît. On dit bonsoir au patron. Bonsoir patron. Un abonnement de niveau. Waouh, merci Pokit, merci de ton sub et de ton soutien, merci beaucoup et bienvenue à toi sur la chaîne. Eric, tu vas live après ou non? Petite question. Moi perso, j'écoute de la musique. Je vais lire un livre. Bah ouais, mais les gens lisent le livre sur le téléphone aussi. Hein. Aucune idée. Ça marche, gros. Je voulais te dire, je voulais t'emmener dans un magasin de pêche, te montrer un truc qui est vraiment à côté de chez moi. C'est un magasin de pêche qui est assez énervé. Et malheureusement, je crois, ouais, 21h30, il est fermé. La prochaine fois, faudrait que je te dise. Que tu viennes un jour où je démarre un live. Quand je pars de chez moi, je te le montre, parce qu'il est vraiment ouf, le magasin. T'as vraiment du matos de ouf. T'as du matos pour pêcher manuellement, et t'as du matos, tu sais, pour pêcher sur les bateaux, bateaux de mer et tout. C'est complètement ouf. Je viendrai voir demain. Ah mais je te spoil pas gros, mais faut que je... Parce que j'aimerais bien pêcher cet été en fait. Mais après tu vois, je sais pas comment ça se passe pour les permis pêche ici et tout. Je sais que chez moi il y a pas mal de rivières autour de chez moi. Et je sais pas comment ça se passe. Il faut que j'aille à la mairie demander un permis pêche ou payer 60 balles ou un truc comme ça. D'ailleurs, si tu viens, en gros, si tu veux, on ira pêcher. Bon, enfin, moi, je suis un amateur, mais vraiment un amateur, mais total, quoi. Je connais que dalle en pêche. Mais je trouve juste que c'est un sport qui est... Enfin, c'est un sport, c'est un loisir qui est reposant. Ça peut être un sport aussi, tu me diras, mais c'est posé comme loisir. Mais c'est un loisir qui coûte cher, comme tout loisir, de toute façon. Shibuya の次は中目黒に停まります。代官山へおいでのお客様と銀座線、半蔵門線、JR
Ça va être n'importe quoi. Oh, ça arrivera sûrement. Ouais. Moi, de toute façon, tu le sais, hein. Tu le sais, Kikette, je te dis, hein, tu viens au Japon. Hein. Si tu veux squatter le backpack un peu pour faire 2-3 streams, pas de soucis, gros. Je te l'ai déjà dit, de toute façon. On pourra même faire des streams ensemble aussi. Par contre, si tu voudras squatter le backpack, faudra que tu passes à la baraque pour régler ta. Pour régler mon serveur sur ton compte, hein. Tu te démerdes, hein. Tu mets tes alertes et tout. C'est une galère, je l'ai fait à ma meuf l'autre jour là. Pff, c'est une galère. Salut OCB. OCB. Ton blindé. Vous vous souvenez de ça ou pas? Alors là, il va y avoir une attaque. Là, c'est l'équipe de nuit qui arrive, je vous préviens. C'est insane. Il y a un masse de monde qui va arriver dans le train d'un coup, vous allez voir. Il est à combien ton passe Navigo, la Chine? Il n'y a pas de prix en fait, c'est moi qui. C'est moi. Oh. C'est moi qui. Comment dire? Qui choisit ce que je mets dedans. Vraiment chème ces chaussures. Ils sont tous en train de se pignoler sur ces chaussures orthopédiques là. Oh, c'est les chaussures de Rayman quoi. C'est... Ah, il se poussera pas malheureusement. Pour vous que j'ai fait wouf. Ah si, ça y est, les gens ils arrivent. Et en fait, et surtout, non, mais après, je vous cache pas, c'est aussi. Attends, vous entendez le bruit de la lanière qui frotte sur le micro. C'est aussi le fait d'avoir une gueule d'étranger, tu vois. Vous allez se dire, ouais, le mec, c'est un touriste. Quoi. C'est un fou. Maintenant, je suis pas là. Faire des gros plans sur eux, tu vois. Bon, au lieu de raconter des conneries sur moi, elle achète des subs, là. Tu sais, je vais faire le streamer trop relou. Lâchez des subs et faites des noms. Faites des noms. Oh, bah, c'est un coup. Faites des noms. Sérieusement, c'est trop frère. Elle a fini le taf. Elle a pas envie qu'on la fasse chier. Elle est en train de trier ses photos. Elle a au moins 250 selfies d'elle-même, j'ai vu. Elle laisse tomber. Après, moi, je me fais traiter de narcissique à la maison. Next
Thank you for using the Tokyo Toyoko line. This is the express bound for Musashi Kosumi. The next station is Nakameguro, TY3. この電車は自由が丘で各駅停車。元町中華街行きにお乗り換えいただけます。え、次は中目黒に停まります。C'est pas un script pour les gens comme ça. Un script, vous avez tout cela dans le dos. Vous avez mangé les sièges de. Mangé le canapé. Hein. Vas-y, Rika Plus. Message-moi sur le live si tu stream. Puis il y a ton mec aussi avec les ballons de chaleur. Là, il aime bien, il aime bien le kilométrage. The stop after Roxy, c'est un échange standard. La prochaine nana qui rentre, c'est la femme de Mangaka. Vas-y, ok. Non, mais Mangaka, il mérite pas. Des passages en ce moment, il est jamais là. Il obéit pas en plus. Il est insupportable. The next station is Gakugei Daigaku, TY5. We will soon make a brief stop at
The stop after 学芸大学 will be 自由が丘。On va devoir descendre parce qu'en fait le train il va pas jusqu'à chez moi. C'est relou. The next station is 自由が丘 TY7. お客様にお願いいたします。携帯電話やスマートフォンなどはマナーモードに設定の上通話はお控えください。また優先席付近では混雑時には電源をお切りください。ご協力をお願いいたします。Plus Marc. まもなく自由が丘です。大井町線はこの控えです。出口は左側です。自由が丘の次は田園調布に停まります。We will soon make a restop at 自由が丘 TY.7. Passengers changing to the Oimachi line, please transfer at this station. The doors on the left side will open. The stop after Jiyu ga Oka will be Daigen Choku. 各駅停車の元町中華街行きにお乗り換えいただけます。
この電車は急行武蔵小杉行きです。 This is the express bound for 武蔵小杉。次は田園調布です。目黒線はお乗り換えです。出口は右側です。田園調布の次は多摩川に停まります。 The next station is 田園調布 TY8Passengers changing to the 目黒 line, please transfer at this station. The doors on the right side will open. The stop after 田園調布 will be 多摩川。東急多摩川線はお乗り換えです。多摩川の次は武蔵小杉。この電車の終点です。新丸子には止まりません。The next station is 多摩川 TY9. Passengers changing to the 東急多摩川 line, please transfer at this station. The stop after 多摩川 will be 武蔵小杉。この電車の終点です。 JR 線はお乗り換えです。お忘れ物をなさいませんようにご注意ください。本日も東急東横線をご利用くださいましてありがとうございました。
ご乗車ありがとうございました。武蔵小杉この電車の終点です。武蔵小杉より先各駅停車の元町中華街行きは21時55分、その後通勤特急元町中華街行きは22時ちょうどです。ホームでお待ちください。この電車は回送電車になります。忘れ物ないよう近くの出口より降りください。ご乗車ありがとうございました。武蔵小杉この電車の終点です。J'ai posé un peu mon cerveau, ça fait du bien. Je suis claqué, je suis mort. Alors, je crois que vous n'avez pas idée ce que c'est que les transports en commun au Japon une journée. C'est fatigant, vraiment. Là, ils sont en train de vider le train. Chaque wagon, ils checkent s'il n'y a pas un mec qui est resté dedans. Posage de cerveau grave. Là, j'en profite parce qu'à mon avis à la maison il va pas être posé le cerveau, je pense. Je sais pas pourquoi je le sens. En haut à gauche de l'écran, tu regardes tout à l'heure. Ma parole, les gens, que je vais mettre un fond noir derrière cette horloge. Au moins, vous allez la voir. Tu reprends le même quoi. Il dormait debout. Putain, la petite station. Et voilà, vous êtes dans le train avec moi là. Tellement calme, grave. Ça sort sur les rejets. C'est
toujours comme ça dans le train. Bah, ça dépend des heures. Non, mais là en même temps, je suis fatigué. Mais genre... Franchement, j'ai marché. This train will merge and continue traveling as a local train on the Minatomirai Line 2, Motomachi Chūkagai. The next station is Motosumiyoshi, TY12. J'ose pas faire de bruit chez moi, je veux pas me faire remarquer. Sub. Donne un sub au moins. Ça sera un truc de ouf. Ah, j'arrive pas à dormir debout. On va aller se poser le fion au combini. Je pensais que le nouveau combiné il est ouvert. Et s'il est ouvert, ça serait chambre. On va aller l'inaugurer. Mais je pense pas que ce soit. Oh, il pleut de ouf dehors. C'est vénère. Il pleut vénère, putain. Chemin que je fais quand je vous fais des lives, si ça, ça mérite pas une récompense. On arrive bientôt. The next station is Kiyoshi, TY13. Il y en a, il a lâché son rôle normal dans le train, je sais pas si vous avez entendu. C'est toi, Frankie, là. Il y a moi. Non, mais là, c'est l'heure de les gens qui sortent du taf. Mais si, il y a des jeunes qui parlent et tout, ça arrive plein de fois. Les gens, c'est bon. Je vais dormir si je m'assois. Je vais être mort, faut que je charge le téléphone en plus. Elle doit faire son sudoku.
願いいたします。優先席ではお年寄りやお体の不自由なお客様、妊娠中や乳幼児をお連れのお客様には席をお譲りください。ご協力をお願いいたします。 Attention passengers. The party seats are reserved for elderly passengers and those with disabilities, pregnant passengers, and passengers traveling with infants. Thank you for your cooperation.Non, pas vraiment, non. Il n'a pas vraiment une tête de yaya. Je vous le dis. Ça se remplit direct. Si vous voulez un live combini, faut que vous suiviez derrière les gens. Moi, je vais pas faire un live combini comme ça. Je suis rincé. Là. Il me faut de la motivation. C'est un truc de ouf. On va regarder un connard dans le train. Un truc de ouf. Regardez, il y a Mia Fry. Elle est là. I don't know, bro. Really, I don't know. Pourvu que ça dure. Ça me donne envie de manger une choucroute. Grave. Oh putain. Je suis saoulé du train, là. J'en ai marre les gens. Poulpe. Poulpe. Là, c'est bien frais quoi. On m'endort bien les gens. Regarde Game of Thrones, j'ai jamais regardé les gens, jamais. En fait, quand ça parle trop d'un film ou d'une série, ça,
Ça me dégoûte, ça me donne même pas envie de le regarder. Je sais pas si ça vous fait cet effet là. Après, c'est peut-être très bon, hein, Game of Thrones. Hein. Je dis pas que c'est mauvais, attention, hein, mais quand on en parle trop, c'est fatigant. Imagine, tu. Dans la rame de train, mordu. Ouais, je pourrais le faire, mais pas aujourd'hui. Je suis claqué là. Crier 60%. T'as fait tomber dessus. Ils s'en foutent, tu sais, tu peux gueuler. And I don't understand French. Oh, sorry, bro. I speak English, but not very well. C'est parti. Oh, ça va être blindé encore. Il fait un temps de merde en plus. Ah, je vais les laisser monter là, l'équipe de nuit là. Que... Alors lui, il dort mais il se déplace en même temps. Truc de ouf. Le mec, il a un Motorola en 2019. Trop de monde. Je vais attendre que ça monte. C'est relou. Là. Surtout qu'il y a masse de gens rêvés. C'est le même effet, dès qu'on parle trop d'un film, d'une série, j'ai envie de parler. Ah ouais, mais grave de ouf. Et tout le monde m'a cassé les couilles avec cette série Game of Thrones. C'était pareil à l'époque Breaking Bad, j'ai regardé au moins 5 ou 6 ans après que ça soit terminé, quoi. Et Game of Thrones, je crois que je regarderai pas parce que je kiffe pas l'époque médiévale. C'est comme le Seigneur des Anus. Toute cette époque là, ça me fait pas kiffer. C'est pas ma cam. Vous avez des beaux légumes, madame. Ah ouais, non, mais en fait, il y a un train. Je me dis, vas-y, je vais attendre. Alors, en fait, il y a une autre équipe de nuit qui arrive. Vas-y. Je vais me retourner, vous allez voir le monde qu'il y a, vous n'allez pas comprendre. Mais vraiment. Vous êtes prêts? Alors, attendez 2 secondes. Un truc de... Ouais, c'est trop long. Ouais. C'est vraiment trop long. De toute façon, même s'il y a des séries, c'est trop long. Paquet de chirurgien, frère. Walking Dead, c'est pareil. Ils auraient dû arrêter depuis bien longtemps, Walking Dead. C'est trop, c'est bon. Au Japon, yes, fuck. Je suis au Japon, mais il y a vraiment masse de monde. Oh, je vais les laisser passer là, l'équipe de nuit. Ça pour l'escalator, c'est fou. Bon, vas-y, c'est quoi, on va même prendre les escaliers tellement que ça me saoule. Elle fait toute la gare, grave. Ils sont pris, genre, oh, t'es sérieux, il y a un ascenseur ici. Je savais pas. Carrément, la porte elle est sur le teco. Ça va, Samu ? Ça va et toi ? Surtout que les acteurs principaux, c'est le voir de Walking Dead. Mais ils en ont marre, c'est normal, ils veulent pas faire ça toute leur life, puisque je comprends tout à fait. C'est saoulant. Moi je dis, moi franchement, honnêtement, Walking Dead ça aurait dû s'arrêter à la saison 1. Stop, basta. Faut que je recharge. La saison 1, c'était la plus chambée. Le premier épisode, c'est le plus chambé de tous.
Ah, j'ai la flemme de recharger mon passement. Et je vis ici, Fag. Les gens, vous avez été là, les gars. C'est marrant, dans les gares souvent ils veulent pas te parler en japonais, mais là je vais juste acheter un ticket, je vais plus. Tu vois, en fait, pour éviter de claquer 1000 yens ou 500 yens, je vais juste acheter un ticket à 160 yens pour finir le trajet. Là il me reste juste un train à prendre avec deux stations, donc ça va aller vite. Les meilleurs moments c'est à la prison. Ah non, moi pour moi la meilleure saison c'est la première de Walking Dead. Surtout quand il se réveille dans l'hôpital, je crois que c'est le meilleur épisode de toutes les saisons additionnées. Si tu veux, le meilleur c'est quand il se réveille dans l'hôpital dans le premier, c'est oufissime, c'est oufissime. Alors dites-moi ce que j'ai raté. Bah t'as raté l'Ardif. Ouais. Tu travailles dans quoi là-bas? Je suis streamer professionnel, oui c'est un métier. Oui, on crée de nouveaux métiers maintenant. S'il vous plaît, monsieur, dame, une petite pièce. Non, je regarde. Je fais le délire ou pas, je fais ça ici, je me fais jeter un stand. Je vais mettre le téléphone à charger après les gens. Et tu gagnes combien? J'ai cru que j'allais lui dire. Combien tu gagnes, toi, Fac? Par mois. Et je gagne 10K, ouais. Ça, c'est dans les mois, c'est les petits mois, ça. Sinon, c'est plus entre 20 et 30K, ouais. Moi, je me cache pas, hein. Je vous donne mon salaire. Putain, si c'était réel, tous les mecs qui ont fait des donations vont dire « Attends, mais t'es sérieux, je vais recevoir masse d'oppositions sur PayPal. » Ça va être insane. Les gens, deux secondes, je vais juste prendre la rallonge pour recharger mon téléphone. Parce que j'en ai besoin. Cayenne. Ah non, c'est pas des yens. Putain, ils sont crasseux à lâcher. Elves. Non. Mais non. Mais me dis pas que j'ai oublié la rallonge dans la tour. Je suis vénère si j'ai fait ça. Bah, j'ai bien l'impression que si. Ah non, elle est dans la boîte de la PS Vita. Ouais. Sinon, je me souviens. Deux secondes. Hein. Il est beau le sol en vrai. Il est tout claqueuse. J'en ai marre de charger 50 000 trucs en même temps. Du coup, je peux débrancher. Alors, attends, c'est quoi que je peux débrancher? Non! Mais non! T'es sérieux toi? En fait, ça charge rien depuis tout à l'heure. Attends. Je suis vénère, mais putain, je suis vraiment une brêle sans déconner. Bon. On va charger ça au moins jusqu'au combiné. Putain, en même temps, maman, elle me pète toutes mes batteries externes, là, ça me saoule. Et puis au combiné, on streamera juste à deux boîtiers. Les gens, je vous préviens, j'ai le chat qui risque de couper à tout moment. Donc on s'arrêtera au combiné, je vais recharger. Ah,
va mettre la luminosité au minimum au moins. Attends, j'arrive, non, j'arrive. C'est quand que tu vas voir les courses de voitures? Les prochaines courses c'est en mai. J'ai regardé un peu. Et je voulais aller sur un circuit de drift aussi. Mais faut que je trouve les bonnes dates, tu vois, que ce soit en accord avec les heures, l'horaire chez vous en France, tu vois. Parce que n'oubliez pas qu'il y a le décalage horaire, tu vois. Il arrive à 24, il est 17. Moi ça va aller vite. Donc voilà. Eh, hey, vous êtes sérieux, vous suivez tous là, réveillez-vous dans le chat là. Vous voulez tous aller au Combini là? Les gens là, même les viewers silencieux là, vous venez au Combini avec moi, c'est bon? Est-ce que tu veux voir des courses de voitures RC? J'ai déjà fait ça. Mais je le referai sûrement. Il est quelle heure chez toi? En haut à gauche de l'écran. Ouais, let's go. Ouais, go, allez. Vas-y, je suis sûr, il y aura Roxy en plus. Après, mais il y en a... Et en fait, en secret, vous avez kiffé Roxy, c'est ça. Hein, ce mini-modèle, là. Ce petit modèle tout assez. En fait, c'est une femme point rare, tu vois. C'est un fichier compressé. Je suis sûr que c'est ça. C'est quoi les traits sur le sol? C'est pour être devant l'entrée du wagon, et c'est là que tu fais la queue. Plutôt que d'attendre comme un zboob, tu te mets là et t'attends, tu vois. Putain, j'espère qu'il pleut plus. 45 minutes, Yokohama, Tokyo, à peu près. Non, mais là, on était vraiment à l'autre bout de Tokyo aussi, c'est normal. Mais si je vais juste à Shibuya, c'est genre même pas 20-25 minutes, quoi. Putain, il arrive quand, le train? Il devrait faire ça en France. Marco Labrico. Les gens, n'oubliez pas de follow la chaîne, c'est important. Un petit follow comme ça. C'est gratuit, ça soutient le streamer. Je vous casse la tête, je sais que je répète 500 fois par jour, mais bon. Mon esprit, il est à bout, en fait. Je suis un peu fatigué, je vous cache pas. Je vais vraiment me poser au Combini. Je crois même que hors live, après, je vais me poser un peu au Combini, je vais rester. Sinon voilà, bah, j'espère que vous avez apprécié le live d'aujourd'hui. Qui n'a pas été un truc de malade. Parce qu'on a fait beaucoup de trains quand même. Mais bon, malheureusement, j'ai pas le choix. Ça fait 5 heures que je suis en live, tu vois. Donc le programme de ce soir, je pense que je vais rester juste me poser, discuter un peu avec vous en Combini. Et puis après, demain, on se fera un autre live, tu vois. Demain, je serais bien allé faire des fléchettes et tout, un truc fun, tu vois. Ça serait nice. Ça serait vraiment nice. J'aimerais vraiment faire des fléchettes. Et le problème, c'est que maman va faire la gueule encore. Oh, ça me tue, les gens. Ça me mine, mais vous n'avez pas idée comment ça me détruit, ça. Quelqu'un qui fait la gueule constamment. Oh, c'est insupportable. Insupportable. J'ai déjà eu des tremblements de terre. Oh, j'en ai eu plein, Varro. J'étais là en 2011. Mais j'en ai eu plein, ouais. C'est devenu banal hein, pour moi. Tu sais, quand chez moi ça tremble, je reste dans le lit, je dors maintenant. C'est ta carte pour jouer en ligne. Bah, en fait, ça sera encore mieux de jouer avec quelqu'un sans forcément jouer en ligne. Quelqu'un de réel, tu vois, qui est à côté de moi. Ça serait nice.
Ah, pour la Coupe du Monde de rugby, ouais, je pense qu'ils sont prêts, ouais. Ah, ça va être cool, ça, ça va être des bons streams. Et j'espère qu'ils vont aller loin, tu vois. Ça serait nice qu'ils aillent loin. Heureusement, on te met un peu de bonne humeur. Mais moi, je suis de bonne humeur, moi, je suis quelqu'un de positif tout le temps, tu vois. Il m'arrive des galères, hein. Et on a tous des galères, tu vois, c'est ça le truc. Mais c'est qu'elle m'accuse de choses. Enfin bref, je vais pas commencer à me plaindre en live, parce que je trouve que je regardais les rediffs et je le fais trop, c'est pas bien, tu vois. Après, les gens, ils ont une mauvaise image et tout, donc voilà, c'est ma vie privée, ça ne regarde que moi, mais je vous avoue que ça joue beaucoup quand même. Quelqu'un qui est jamais heureux avec vous, quoi, en fait. Bref. Salut Judy. Il y a un youtubeur, FR Spécial Bouffe, qui y va bientôt. Et il propose de le contacter si tu es là-bas, si ça t'intéresse. Je t'envoie son pseudo en MP. Bah vas-y, envoie son pseudo si tu veux. Mais s'il cherche des gens sur place, ça sent le mec qui veut qu'on lui mâche le travail, hein, je te le dis honnêtement. Tu fais quoi comme activité de tous les jours? Coup de fac. Je m'occupe des enfants à la maison, je m'occupe de plein de trucs, je fais du modélisme, je fais du sport. Et voilà. Et là, il y a un truc que j'aimerais bien refaire, les gens, mais il faut que j'achète des chaussures. J'aimerais bien retourner courir le matin. Au moins courir une heure tous les matins ou 40 minutes, tu vois. Me décrasser la gueule. Ça me ferait oublier plein de trucs. Bah, Balkan, mais bon, malheureusement, je suis pas à l'intérieur de son cerveau. Putain, les LED, elles éclatent les yeux. Attendez, je vais mettre les commodes sur le téléphone. La batterie. Mais non. Regarde, j'ai mis les commodes, il s'éteint tout seul, ce PD, putain. Ah, je suis vénère, mais non. Putain, enculé de téléphone. J'ai plus de chat, les gens. Et puis là, ce train de merde, il est blindé. Ah, ça va, il y a deux stations. Ah, je suis full blasé. Deux secondes, les gens. Jusqu'à ce qu'on arrive. Je me mettrai à charger quand on arrivera. C'est mort là. Putain, il restait 7% de batterie. Je sais pas pourquoi il a fait ça, ce connard de téléphone. Faut que j'achète une petite batterie externe. The next station is Shin Yokohama, JH16. The doors on the right deux stations, side ça va aller vite, hein. Please change it for the Shinkansen and the Yokohama Subway Blue Line. ご乗車ありがとうございました。まもなく新横浜です。車内にお忘れ物、落とし物なさいませんよう、お降りの際は今一度確かめください。 Dès que j'arrive, je remets le téléphone en charge, ne vous inquiétez pas. Allez-y, circulez, messieurs d'air. Je reste là. Please stand clear of the closing door.
qu'une station après en arriver. C'est relou, c'est vrai. Ah si, c'est bon, je vais avoir du chat, les gens. Ça pue la merde, ça se coupe comme ça tous. Voilà, il reste 6% de batterie. Ça se coupe quand même. Putain. C'est relou, c'est relou. C'est relou. この電車は横浜線各駅停車橋本行きです。次は小机、小机、お出口は左側です。この電車には優先席があります。優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら席をお譲りください。お客様のご協力をお願いいたします。This is a Yokohama line train for Hashimoto. The next station is Kozukue, JH17. The doors on the left side will open. There are private seats in both cars. Please offer your seat to those who may need it. On est presque arrivé, je vais rebrancher le téléphone, ne vous inquiétez pas. Je sais que c'est relou, mais ça, vous imaginez même pas quand c'est encore plus relou pour moi. The next station is Kamoi, JH18. まもなく、カモイ、カモイ、お出口は右側です。The next station is カモイ、JH18. The doors on the right side will open.
putain, j'imagine pas, vous devez me clasher dans le chat, vous devez raconter que de la merde, j'en suis sûr. Allez, c'est parti. Allez, on va mettre le téléphone. JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。今度の一番線の電車は22時42分発各駅停車八王子行きです。あー、c'est bon, ça se rallume. J'ai la dalle les gens encore.J'ai vraiment la dalle. Ah, c'est relou cette histoire là de téléphone de merde là qui se coupe alors qu'il y a de la batterie dedans encore. Putain, c'est vraiment un truc de ouf ce téléphone. Il y a de la merde. J'étais dans le plus grand des calmes. Qu'est-ce que vous avez dit dans le chat? Putain, en plus ça me vénère.Regardez, j'ai rien dans le chat. T'as vu la question de Dudy? Mais non, j'avais pas de chat, j'ai rien vu. Ah non, c'est pas ça, c'est le ticket, c'est vrai que j'ai un ticket. Tu as loupé un moment. Ah, le bruit suspect du... Mais oui, mais c'est les trains roulants de chaque wagon qui font ce bruit-là. En fait. Non, personne ne fait quoi que ce soit dans le train. Sacré châssis. Ah, j'ai envie de manger un truc, mais... La famille, là. Bon, allez, les gens, on reprend le live de façon tout à fait normalisée. Voilà, si vous voulez faire plaisir...Vous lâchez un follow, si vous voulez faire encore plus plaisir, vous lâchez un sub, et si vous voulez vraiment faire kiffer, eh ben vous faites une donate pour aider un peu là. Et là on va continuer. Je sais pas si je mange ou non. Re la drielle. Franchement, ça me saoule de ouf. Je vais devoir marcher avec le backpack sous la pluie là. Et c'est un vrai temps de merde, les gens. Un vrai temps de merde. Un vrai de vrai temps de merde. Mange un kebab, tu retournes chez le Turc. Ah ouais, t'imagines, il faut faire tout le chemin retour. Ça me saoulasse de ouf. Non, je vais aller au combini à côté de chez moi, je vais marcher.C'est relou. Ouais, la McDo à côté de chez moi. Tu pourrais mettre l'heure en bas au milieu. Ouais, et puis je le mets. Ouais, et puis je mets un menu best-of aussi. Vas-y, c'est bon. L'heure, elle est là. Mais... J'ai pas envie de mettre un truc en bas au milieu. En fait. Ah, putain.降り口は
C'est quoi cette voiturette McDo? C'est des scooters pour livrer McDo. La caméra est trop basse. Ah, vous êtes chiant. La caméra elle est pas trop basse là, elle est bien. Prends un taxi. Ou alors t'as l'épaule en vrac. Ouais, j'ai l'épaule en vrac. Attends, je vais la remettre. On est content, et bon, c'est pas trop bas, c'est pas trop haut, y a pas trop de fion, ça va, tout va bien, t'es content, voilà. Allez, c'est bon, ça suffit. C'est quoi ce seul gris? Bah c'est un seul, je sais pas, t'as jamais pris le 30, non. Ah, des questions les gens. Ça c'est les viewers de 22h38 ça. God damn. Ça manque de Roxy, mais laissez-la tranquille, Roxy, là. Putain, vous êtes pas possible, sérieux. Là, c'est de travers. Eh, oh la merde! Voilà. Ça mérite un bain pour des questions comme ça. Ah, c'est fou, pédo. Oh, on va continuer les gens, on va aller au prochain combini. C'est bon, parfait. Il y a juste quelqu'un qui t'a fait râler. Vous arrêtez pas de râler là en même temps. Aïe aïe aïe. Vous avez envie de me faire gueuler là en fait, c'est ça en secret. Je touche plus à la caméra, je touche plus à rien. En plus, il pleut, tu vois. Donc là, je prends des risques à sortir avec le bac dehors comme ça. Mais ça va, c'est pas de la grosse pluie. Ça bouge trop. On dirait que tu boites. Ouais, regardez, je boite. Je boite. Mais non, je boite pas. C'est juste que je marche un peu en speed là parce qu'il pleut, tu vois, donc forcément vous avez l'impression que ça bouge trop. Ça bouge trop, c'est une travers. Et vous savez quoi, je parle plus, comme ça c'est réglé. Ouais, non mais c'est une travers. Ouais, ça bouge trop. Ouais, c'est pourquoi le sun il est gris. Ouais, c'est quoi, c'est très jaune. Ouais. Désolé, Dashi, t'es beau. Ça, par contre, ça, là, ok. Là, tu vois un commentaire comme ça, je ne peux que valider et confirmer ce commentaire. J'ai envie de te dire, je le sais. Mais je ne dirais pas, je le sais, ça fait trop prétentieux. Donc, il faut dire, je m'en doutais, tu vois. Je m'en doutais. Je m'en doutais, Pokit. Il y a de l'eau en dessous du pont. Je vais demander à ta sœur, attends, bouge pas. Pourquoi il fait noir? C'est bon, vous cassez les couilles, sérieux. Allez, ça y est, j'arrête. Ouais, ça c'est bien rafraîchi. Mais de ouf. Ah, si t'as pas de soeur, bon bah je vais demander à ta mère alors. Là, tu peux pas me dire que t'en as pas là. Il y a des gouttes d'eau sur la caméra. Ouais, et alors? Oh, t'imagines si vous étiez pète couille comme ça en mode H24. Oh my godness. Je vous aurais déjà tous ban. J'aurais streamé pour moi tout seul, tu vois. Je serais mon viewer, c'est tout. Trop de violence. Violence. Tu t'en vas vraiment aux Halles? Il est tard, mon troll. Ouais, grave, vous avez pas honte, il est 15h chez vous. Moi, chez moi, il est 23h, putain. Ça fait... Tu sais quoi, je suis arrivé à Tokyo, il était 13h. Ça veut dire que depuis 13h de l'après-midi, 13...
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. C'est ouf. Ouais, je vais laver ma voiture. Vas-y, bah frotte bien et que ça brille. Faut que ça brille. Hein. Faut que ça soit luisant, faut qu'on se voit dedans. Aïe aïe aïe. Eh ça va, on est bientôt arrivé les gens, vous inquiétez pas. Hein. Faut juste marcher au combiné. Et non, je ne boite pas, non, c'est juste que je marche en speed en fait. J'ai bien envie de me prendre un petit plat au combini, me poser tranquillou. Peperos, tranquillos. Non, ça fait 10 heures que tu es parti, grave. 10 heures dehors, plus combien? Ouais, ça fait que ça va faire 6 heures de stream. Donc 6 heures à streamer. Donc si ça, les gens, on me dit, ouais, mais non, mais Twitch, c'est pas un métier, bah non, non, non. Non, non, si ça, c'est pas un métier, à savoir que j'ai marché toute la journée, que je me suis posé dans McDo avant de commencer le live pour essayer de faire un planning pour les prochains streams. Je vais pas vous spoiler tout de suite parce que rien n'est sûr. Bien sûr que oui, que c'est un taf, mon gars. Tu sors du taf, Dafi. Ouais, mais en quelque sorte, ouais, je sors du taf. Là. Il y a un resto routier. J'ai vu des camions. Non, c'est juste des entreprises autour. C'est surtout que ça sent le mal de crâne quand je vais arriver à la baraque. Je le sens, je le sens, je le sens. Oh, je le sens. C'est bien. C'est pas un métier, ah ouais? Alors c'est quoi un métier pour toi, Fak? Dis-moi. Toi qui regardes en stream, t'as un mec qui est au Japon qui essaye de proposer du contenu divertissant chaque jour, c'est du divertissement. C'est comme un mec qui travaille à la télé, c'est pareil. C'est pas un métier. Eh Funky, je sais pas où t'as lu cette merde, mais c'est de la connerie, c'est pas vrai. Ouais. La petite 350Z Nismo. Là, lui, il est bien dans son camper. Il se fait son petit onigiri. Un petit sandwich. Il a sa petite couchette derrière. Ça, c'est la première... Oh, putain, le Cherokee, il est comme neuf. C'est un truc de ouf. C'est la première fois que je vois autant de chauffeurs poids lourds à cette heure-ci au combini. Les gens, arrêtez de croire la merde qu'on vous raconte sur internet, sur les forums et tout. Ça serait nice. Parce que ça me fatigue un peu de répondre à des conneries de questions comme constamment. Ouais. Bon, j'arrive. Je suis là. Je vais suivre le téléphone, comme ça moi je suis content. Deux secondes, j'arrive.
trop content, j'ai pris un truc à manger, j'ai la dalle de ouf les gens. Fais le marché comme ça là. Ça creuse. Quelque chose tous les jours pour gagner ta vie, ça s'appelle un métier. Et c'est pas parce que c'est quelque chose que tu aimes et qui est un loisir à la base que ça peut pas devenir un métier, ça devient un taf. Que tu le veuilles ou non. Putain, le truc est stylé. Maintenant, les gens qui parlent, qui disent ouais, c'est pas un taf. Il y a longtemps, j'ai arrêté de tenir compte de ça. Hein. Il y a vraiment longtemps. Hein. Sinon, t'en finis pas. Ouh, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est du bon plat de combini, bien crasseux comme on aime. Et j'ai rien mangé à part le kebab, là. Le kebab pour enfants. Comment tu décrirais la coupe de cheveux? Ça se voit que ça a pris un abonnement de niveau 1, cumule 5 mois d'abonnement. Hey Dashi, ça vaut quoi ta Fox? Merci bébé de ton soutien et de ta fidélité. 5 mois? Ça passe vite. Ma coupe de cheveux, elle est indescriptible. C'est un mouvement unique. C'est une révolution capillaire. Et sinon, j'ai envie de manger du ketchup. Merci bébé. Voilà les gens, n'hésitez pas à prendre l'exemple sur Tuss Fox. Ah, d'une part, désolé, j'avais pas vu, j'avais peur. J'étais pas devant la caméra, j'avais même pas ouvert le chat. C'est un peu les deux en même temps, animateur et ouais, un peu de taf de journaliste. Ouais. Mais je respecte les Japonais contrairement aux journalistes. Désolé, ça c'était cadeau. Tu veux encore dîner? Non, je vais pas dîner quand je vais rentrer chez moi. Faut pas déconner non plus. De becter avant de rentrer. C'est chaud, tu manges pas? Non, c'est chaud. Vous voyez le plat ou non? Je vais le voir, je pense. C'est de la volaille avec des pâtes, du riz. Je pense que ça, c'est de la pomme de terre. Tu vas voir, attends, je vais goûter. Mmh. Oh, c'est de la purée, c'est bon. De la purée avec du maïs. J'avais jamais pensé à mélanger la purée de pomme de terre avec le maïs, c'est pas mauvais, franchement. C'est pas mauvais les plats de combini, mais faut pas en abuser, tu vois. C'est pas très bon pour la santé, mais c'est pas mauvais, franchement, c'est pas mauvais. Tu vois, Mathieu, c'est bien mieux qu'un McDo, honnêtement. Ça te cale un peu plus. J'ai pas mangé, moi, j'ai mangé qu'un kebab aujourd'hui. Même une mouche avec les baguettes.
Je mange toutes les... Eh mon dieu, je suis un animal, quoi. Il mange à peu près toutes les 5 heures. Donnez-lui des graines. Je te jure. Ah, vous m'avez pris pour un animal. Le mec qui a fait les pâtes là-dedans, par contre, je lui mettrais une de ses teutes, hein, si je le voyais en vrai. C'est pas des pâtes. Bah, en même temps, si je fais 6 heures de live, c'est normal que tu me vois manger, tu vois. C'est un peu logique parce que 6 heures de live, surtout que je suis pas assis, tu vois. Je bouge, donc ouais, ça donne faim, quoi. Vous imaginez sur la revoie, je crois que j'arrête pas de rigoler, je m'en vais du combini direct. Et entre 10 et 15 secondes de décalage avec le son et l'image. Des pâtes, c'est vrai que si après ça t'es pas blindé. Ah, je suis mort déjà. De toute façon, j'ai pu avoir de batterie, je crois, dans le matin. Faut que je regarde. Il y a 0,58. Il n'y a pas 58 secondes de décalage, c'est sûr et certain. Moi, j'en mange pas tant que ça du riz, ça va. Je mange plus de pâtes que de riz chez moi. Le truc, c'est qu'il te file du riz, il n'y a même pas de sauce, il n'y a rien dedans. Oui, si, ça va. C'est bon. C'est bon, Arctarus, t'inquiète pas. Si c'était pas bon, je mangerais pas. Et puis même, je suis pas difficile, tu sais, moi j'ai faim. En fait. C'est les vacances au Japon, j'en ai aucune idée. Non, c'est pas les vacances. À plus. Merci VSS d'être venu si longtemps sur le live. Voilà un petit dessert. J'avoue que je crois que je vais me laisser faire. Je vais prendre un petit dessert. Pas de café, non. Chaque fois, laisse tomber. Je bois du café, après je dors pas le soir. Surtout que j'en ai chez moi du café. Et Winnie, ça fait 5h38 qu'on est en live, donc tu penses bien que la vue du 45e étage, on l'a déjà faite depuis longtemps. C'est juste que c'est moi qui ai oublié de changer le titre. Ah, je suis mort, les gens. Ouais, j'ai oublié de changer le titre. Hey, mais franchement, je suis mort aujourd'hui. Je suis claqué. D'habitude, je me prends pas comme ça. Là, aujourd'hui, vraiment, je suis claqué. Il y a presque plus de batterie là-dedans. Les gens, de toute façon,
que les trolls après 6 heures de live. 5 heures, ouais, mais moi je suis pas dehors depuis 5 heures, quoi. Je suis dehors depuis quasiment. Depuis 13 heures de l'après-midi. Il est 23 heures, donc ça fait 10 heures que je suis dehors, si tu veux. T'as un supplément, parce que c'est grave. Les gens, je vais vous laisser. On arrive sur une fin de live. On va faire un raid. On va aller voir le tronc. Je vais vous envoyer chez le trompeur. Voilà, vous passez un petit bonjour au patron. Vous dites bonjour patron du Japon. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Belle perf. Ouais, j'ai déjà fait plus. Allez voir le patron en masse. Voilà. C'est le gars sûr, c'est la famille, le patron. En plus, voilà, il est toujours là pour me filer un petit coup de main. Donc. Voilà. Je vous dis à demain. Après, je vous cache pas que demain, j'ai streamé toute la semaine. Ça se peut que je m'autorise un petit day off pour streamer le week-end. Je pense même que je vais m'autoriser un petit off demain. Je vous tiens au courant sur Discord. Et puis voilà, prenez soin de vous, surtout, c'est le plus important. Et allez voir le patron là. Je veux plus de monde là sur le raid. Là. Allez, motivez-vous un peu. Allez voir le patron. Il est toujours là, c'est toujours un mec qui aide les petits streamers et tout. Mais franchement, c'est la famille, allez-y. Tous, prenez soin de vous, les gens, c'est le plus important. À demain, ciao.